Bonjour à tous, c'est Liquido 766 et on va débuter notre la deuxième épisode de notre walkthrough sur Batman Arkham Asylum. Donc vous pouvez vérifier, je suis bien en difficile car pour mon premier épisode, plusieurs personnes m'ont posé la question si j'étais en difficile ou pas. Donc je vais baisser le son de la télé, je vais vous éviter quand même d'entendre ce que je dis. Donc on reprend où on en était. Bon, je sais que la dernière fois on était dans le parc, mais en fait je crois que pour une erreur de sauvegarde on va devoir se retaper les énigmes que j'ai faites, j'ai un doute. Comme j'ai pas rejoué depuis, ça fait environ une semaine et demie que j'ai pas joué. Donc bon, j'étais vraiment très heureux de l'effet que... Enfin comment dire... La vidéo est plutôt bien marché sur le forum de Batman Arkham City, donc heureusement, puisque c'est quand même... Enfin, c'est le public qui s'y connaissait le plus, quoi, dans ce jeu, donc... faut pas déconner non plus, quoi. Ils attendaient un truc de qualité, et je pense qu'ils l'ont eu, donc ça me satisfait... Je suis satisfait de mon... de ma vidéo. Donc, pour simplifier... pour vous envoyer plus de vidéos d'un coup, là, je vais tourner l'épisode 2 et l'épisode 3 d'une traite. Donc, au début de l'épisode 3, vous n'aurez pas le... comment dire... le début... Putain, je dois me retaper les énigmes. Bon voilà, vous aurez pas le lancement du jeu malheureusement. Mais par contre, aucun souci sur d'autres points. Enfin, ça sera vraiment séparé en deux épisodes, donc je sais pas à quel moment je séparerai les deux. Mais en fait, je vais faire sous forme d'épisodes d'une heure, qui sont tous en deux parties de 30 minutes. C'est plus simple pour moi et à monter et à uploader. Parce que comme je suis sur un ordi pas très puissant pour jouer, comment... Ah, mon ordi est pas très puissant en matière de montage. Bon, ça on l'a déjà vu dans le premier épisode. C'est un peu le défaut. On peut pas... Enfin, je crois pas, sinon je passe pour un con. Non, non, on peut bien... on ne peut pas... sauvegarder quand on veut dans le jeu. Donc bon, je vais pas pouvoir prendre toute la zone, hein, comme j'expliquais. Il y a certaines énigmes qu'on peut faire que plus tard. Voilà. La tour Wayne. Il va y avoir un trophée que j'ai oublié au fond. Ouais, voilà, j'avais pas pris la première fois. Bah, comme ça, c'est ça de gagner. Là, ça c'était pas intelligent. Donc bon, là, comme la plupart d'entre vous le savent, pour ceux qui jouent à la PS3, pour les joueurs Xbox 360, vous devez bien vous foutre de notre gueule, et je pense que, bah, nous, on le mérite pas, parce qu'on est... Nous ne sommes que des joueurs, on subit pas, c'est Sony qui a déconné, quoi. En effet, le PSN est totalement hors d'usage en ce moment. Donc bon, moi, heureusement que je l'ai vu sur jeuxvideo.com et d'autres sources... avant de venir, sinon j'aurais été vraiment surpris et dégoûté, quoi. Et puis j'aurais passé des heures à chercher comment faire pour rallumer tout avant de me rendre compte que il n'y avait pas tout simplement pas de PlayStation Network. Donc zut, je sais plus ce que j'avais amélioré la dernière fois. Je crois que j'avais amélioré ça. J'avais dû mettre les coups critiques. Bon, bah. Tant pis, alors, je m'en souviens plus. Donc pour tous les joueurs de Call of Duty qui regardent les vidéos de Call of Duty, vous devez bien vous douter que je vais pas pouvoir faire de nouvelles vidéos avant un bout de temps tant que c'est pas résolu et tant que je retourne pas à jouer. Puisque pour ceux qui connaissent pas encore trop mes vidéos, donc je vous encourage déjà à aller voir les autres parce que je ne reste pas, enfin, dans mes vidéos, je ne parle pas tout le temps que du jeu. Je ne parle pas tout le temps que du jeu auquel je joue sur la vidéo en question. Je parle souvent de mes autres projets en même temps. Donc, voilà, j'ai un peu de galère. Voilà, autant la dernière fois, j'y suis arrivé du premier coup, autant cette fois-ci. Alors, je disais, autant, je parle. Enfin voilà, je parle pas que d'une seule vidéo à chaque fois, donc. Donc je vous encourage quand même à aller voir les autres. Et donc j'ai expliqué, en fait j'ai expliqué dans toutes mes vidéos, c'est un truc de fou, que
Je n'ai pas de console chez moi en fait, que j'en ai une que chez ma grand-mère, et donc c'est quand je vais chez ma grand-mère que je peux jouer. Et c'est pour ça que mes vidéos des fois mettent longtemps à arriver, surtout les vidéos maintenant comme celle-ci, comme un Wakfu, ça va vraiment mettre du temps à arriver. Donc c'est pour ça. C'est bon, je sais pas pourquoi je viens de dire c'est pour ça, mais voilà. Donc Qu'est-ce que... voilà, je viens de faire peur à un garde, bêtement. Tiens, je l'ai pas. C'est bien parce qu'il y a pas mal de trophées que je redécouvre, donc ça va pas être si facile que ça de trouver toutes les énigmes. Donc ça, c'est quand même, moi je trouve, la base, enfin le bonus qui est vraiment excellent dans ce Batman, c'est vraiment le côté le côté énigme. Moi je les trouve vraiment super réussi. Donc excusez-moi, il y avait un petit bruit au niveau du micro. Vraiment désolé, hein, ça a dû faire un bruit un peu étouffé. Parce que j'ai touché mon micro, j'aurais peut-être pas dû, mais tant pis. Bon, bah on va continuer l'histoire maintenant. J'en reviens pas. Ils ont tué Jackson. Restez Pauvre avec votre Jackson. collègue. Je mets un terme à tout ça. Maintenant. Ah oui, et comment tu comptes t'y prendre, Batou? Comme dirait Joker. Alors. Ah, oh, super. Ah! Je croyais que ça allait rentrer en baston, qu'ils allaient me repérer, mais non, je tombe dans leur dos. Bon, des fois, je trouve que c'est limite. Je trouve ça, c'est bon, c'est pas un script, mais c'est vraiment la limite du script dans le sens où ils sont quand même programmés pour pas nous repérer. Enfin, je pense, hein, franchement, j'en sais rien. Le contraire serait étonnant. Dans ce cas-là, ils seraient programmés pour pas avoir d'intelligence artificielle, et je pense pas que ce soit le cas. Ah, alors là, ça, franchement, c'est pas bien de s'en prendre à ce que j'aime. Hein. La Batmobile, elle est trop bien. Eh, hey, j'ai appuyé sur triangle. Alors là, pareil, je vais me faire défoncer. Oh là 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 là. Ah, je crois que là, je suis mort. Voilà. Ça peut-être. Je crois que c'était une mauvaise idée de le faire en difficile, surtout que là, je reprends le jeu avant longtemps en parlant. Oh, c'est pas mignon. Batman fait son dodo. Que quelqu'un l'achève. C'est, je crois que c'est une de mes tones entre guillemets préférées du Joker quand on meurt. Enfin bref. Donc c'est reparti, hein. On va leur péter la gueule ce coup-ci. Ah mais ça m'énerve, c'est le même coup. Oh là, j'ai fait le bec. Vous remarquez que les contres sont très violents, hein. Enfin, très violents, peut-être pas non plus. Oh là 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 là. Je comprends plus rien à ce qui se passe là. Non, on dirait pas, on serait que les combats sont quand même relativement faciles, mais pas tant que ça, hein. Faut vraiment un temps d'habitude. Faut se réhabituer, quoi, qu'on n'est plus habitué. Ça, je me souvenais pas que c'était aussi illuminé ce côté-là du centre, on va dire. Donc, encore une fois, hein, moi je suis désolé, je vais me taper toutes les énigmes. Donc, bon, si cela vous dérange, je vous le mettrai dans les commentaires, mais le problème c'est que. Comme là, je vais quand même faire deux heures de vidéo d'affilée, ben, je pourrais pas voir vos commentaires. Je pense pas que ça dérangeait beaucoup de monde. Donc, Tweedledim. Il y a des réserves de gel explosif dans le coffre de la Batmobile. Hop, une énigme. Alors, bon, par contre, là, il y en a une qui est tellement difficile que je vais vous laisser la surprise. On fera ça plus tard, on va continuer un peu l'histoire. C'était juste pour faire Tweedledim et Tweedledum. Alors, dans le coffre, hein. Parce que ça a un coffre, la Batmobile, ça c'est la classe quand même. Donc là on commence à avoir des gadgets un peu plus sophistiqués au niveau. Harley a laissé des traces sur la voiture. Allez, encore une fois on va devoir se taper une séance de la Batmobile. Je pourrais trouver un indice sur le lieu où elle a emmené Gordon. C'est un peu chiant. Alors. Qu'est-ce qu'on va trouver ce coup-ci? Bizarre. Oh. C'est la pipe de Gordon. Barbara la lui a donnée. Il ne la quitterait pour rien au monde. Ouais, faut rester appuyé. White Country, le
tabac préféré de Gordon. Gordon est plus intelligent qu'il n'en a l'air. Il m'a laissé une piste à suivre. Oracle, j'ai trouvé une pipe. Bon bah voilà, par exemple, je vais pouvoir tout de suite vous montrer comment... Si je retrouve le bouton, comment on utilise le gel explosif. Exact. Il m'a laissé une piste à suivre. Il est vivant, Barbara. Voilà, alors, on prend le gel de l'explosif, comme vous pouvez le voir à ma gauche. Là, vous pouvez voir, là, j'ai 3 réserves de gel, donc c'est illimité, hein, mais on peut pas en poser plus de 3 en même temps. Pourquoi il... Je sais plus comment... Ah oui, il faut s'approcher et faire... Non, oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là, le massacre. Oh là là, le massacre. Ah, L1. L1 et R1, putain. Ah, je suis vraiment désolé, hein. Alors ça, là, je m'en souvenais plus. Et donc, hop, et... Bang. Bon, après, on pourra toujours avoir des améliorations. Bah voilà, la preuve, nouvelle amélioration disponible. Pour débloquer des trucs du genre sélectionner lequel on veut exploser. Bon, personnellement, j'ai jamais vu d'intérêt à faire ça. Donc vous voyez, ce mur, enfin, on reconnaît quand même un peu qu'il est différent des autres murs. On peut utiliser le gel. Et franchement, je me souvenais pas qu'on passait par là. Hein. C'est... Alors là, bon, en même temps, ça se voit, hein, mais j'aurais pu utiliser le mode détective. Mais je préfère l'utiliser au minimum parce que c'est un peu... Pas cheaté, mais je trouve que on nous oblige pas, mais... Ils nous font rien pour nous empêcher de l'utiliser. Il est vraiment... Des fois, ça gâche un peu le plaisir de la découverte. Donc là, bon, vous voyez bien que c'est un mur qu'on peut détruire avec du gel, mais que ça va être un peu dur de placer du gel là-bas, donc on verra bien plus tard. Comment je ferai pareil pour cette grille, hein, on peut pas l'atteindre. Avec un petit effet de caméra, je sais même pas où est-ce que je dois aller en fait. Tant pis, on va péter la gueule à ces sbires. Ah, c'est si je me fais frapper, je suis dégoûté. Ah, je voulais dire aussi pendant que j'y pense, hein, c'est complètement hors sujet. Dernièrement, donc j'ai vu la vidéo de Diablo X9 sur Portal 2. Bon, ça n'a rien à voir avec Diablo X9, où c'est vrai qu'on voit qu'il a... Enfin, j'ai vu en commentaire, je sais pas sur quelle base il s'appuie pour dire qu'il a téléchargé le jeu, mais il semblerait qu'il ait téléchargé le jeu. Les gens trouvent ça honteux qu'il nous conseille de l'acheter alors qu'il l'a lui-même téléchargé. Moi, je vois pas ce qu'il y a de honteux à ça. Parce que bon, il a raison, hein, le jeu est excellent, hein, moi je vous conseille aussi de l'acheter. Et je l'ai, moi aussi, je l'ai pour des raisons. Moi, par contre, c'est vrai que autant Diablo X9, le gars, il a une Wii, une PS3, une 360, donc je pense qu'au niveau budget, il n'y a pas trop de soucis. Donc c'est vrai que là-dessus, bon, il aurait pu l'acheter quand même. Mais bon, il l'a téléchargé, peut-être que... Et d'un côté, il a pas tort, hein, parce que le jeu est excellent, mais je pense pas qu'il vaille 70€. Parce qu'il est trop court, à mes yeux. Hein. Je l'ai fini en 4h30, et je peux vous dire, c'est peut-être une des rares fois de ma vie où quand j'ai fini un jeu, j'étais sincèrement dégoûté de l'avoir fini. Mais vraiment, j'en avais pas les larmes aux yeux, mais quand j'ai fini, je disais non, c'est pas fini, ça fait à peine même pas une matinée que je joue, c'est pas possible, il doit y avoir plein d'autres énigmes et tout, on va pas s'arrêter là. Ben si. Donc franchement, j'ai vraiment été déçu sur ce point, le jeu est vraiment trop court. Mais moi, je trouve pas normal que les gens se plaignent. Il nous conseille de l'acheter, il va pas nous conseiller de le télécharger, puisque ça, c'est par contre, c'est illégal de conseiller aux gens de télécharger. C'est bon, le téléchargement est illégal. Je crois qu'en Suisse, il l'est pas, mais voilà, enfin bref. Je sais pas sur quelle base je dis ça, mais j'avais lu quelque part qu'en Suisse, le téléchargement était pas illégal comme en France, hein. Il n'y a pas de pire en Suisse. Désolé, je me balade pour voir s'il n'y a pas un truc dans le coin. Enfin bref. C'est comme ça, donc... Crier au scandale parce qu'il nous conseille d'acheter un jeu qu'il n'a lui-même pas acheté, bon... Moi, je veux pas dire, mais regardez, les films dernièrement, combien de films vous avez vu, que vous avez vu au cinéma ou comment, acheté en DVD par rapport à tous les films que vous avez regardés dans votre vie. Voilà, c'est pas énorme, hein, la majorité des films qu'on a vu dans notre vie sont téléchargés, c'est des DVX, la plupart peuvent pas être trouvés en... Comment, peuvent pas être trouvés en... En DVD et tout, donc faut... Voilà, faut un peu les chercher et tout, c'est compliqué, alors qu'en DVX, on trouve ce qu'on veut, donc voilà, ça simplifie les choses quand même. Oh, l'enfoiré, il est tombé. Et donc, c'est pour ça, si vous réfléchissez, quand la majorité des films que
que l'on conseille aux gens dans notre vie sont téléchargés à la base, et c'est pas pour autant qu'on en tape un scandale. Bon là, je sais pas si vous avez remarqué quand même, je commence à gérer un peu plus mes combats, bon c'est pas fantastique non plus hein. Purée, le combo il s'arrête comme ça maintenant. Enfin bref. Non mais voilà, moi c'est pour ça, je veux dire, les gens ils crient au scandale, c'est pas exagéré non plus. Vous aussi hein, je pense, par exemple, bon c'est vrai que Portal 2 le jeu vient de sortir, mais voilà. Moi un jour j'ai eu envie de me faire un jeu du type Max Payne, pour le trouver dans le commerce, comme j'ai pas forcément envie de faire mes achats sur internet, ça a été compliqué, donc quitte à l'avoir gratos, hein, moi je dis. Enfin voilà. Personne m'en voudra, un pari pour Duke Nukem 3D, un de mes jeux préférés, allez le trouver comme ça. Franchement non. Alors voilà. J'ai dû le télécharger, bon j'avais pas honte, hein, le jeu est très bien, mais je sais que bon voilà, c'est illégal de télécharger, donc moi je télécharge quand même un minimum, oui. Je m'arrange pour acheter un maximum du genre en occasion et tout, puisque bon. Enfin même en occasion, hein, franchement, et ça change rien quand on achète en occasion. Comment le développeur touche pas un. Ne touche rien quoi. Donc bon. Enfin, des fois je trouve que les gens se prennent la tête pour pas grand chose en fin de compte. Donc là voilà, je suis perdu. Super. Ma spécialité hein. Le jeu est pas très grand, je sais pas comment je fais pour me perdre. Je suis en train de me demander c'est quoi ça là-bas. Ça a l'air d'être les soins intensifs d'où on sort avant. Hein. Où on était avant, c'était les soins intensifs. Excusez-moi, je suis un peu fatigué là, je reviens d'une grosse soirée. Enfin, une grosse soirée, j'ai pas beaucoup dormi quoi. Je suis un peu crevé par ça. Ça va. D'accord, un peu bon, un peu inutile le ralenti là, j'ai envie de dire, hein. C'est bien la mise en scène, mais des fois faut pas déconner non plus. Hein. Bref, c'est son de critiquer ce chef-d'œuvre. Pénétrons à l'intérieur de. C'est quoi ça? C'est le centre médical. Voilà, merci le Joker de m'avoir indiqué. Oui, oui. Ah merde, j'avais pas vu la bouche d'égout. Ah, je peux vous dire, ça va être laborieux. Quel sadique. Oh bon, moi en même temps, je serais lui, je ferais parce que ça a vraiment l'air amusant. Surtout du gaz hilarant, c'est forcément amusant. Ok, c'était nul à chier, oublié. Alors pourquoi je me suis allé à droite? Tout simplement pour avoir ce trophée. Hein. Enfin, le but principal des trophées pour moi, c'est quand même de les trouver. Mais il y a aussi un truc secret, c'est qu'on gagne 200 d'expérience pour chaque trophée. Et c'est vraiment pas négligeable. Il vaut mieux savoir tous les trophées dès le début et en récupérer un maximum. Et comme ça, on est bien préparé pour la suite. Quelqu'un ne sortira pas d'ici vivant. Ok, je vous entends. J'y vais. Pourquoi a-t-il besoin des bon, médecins? Bon, faut pas que je me fasse repérer. Je dois les sauver. Donc une fois qu'on est sur une gargouille, on est quasiment invincible. Ah oui, d'accord, on est ici. Alors on va essayer. Putain, j'avais oublié cette phase d'infiltration était si proche. On va faire un peu la peur chez l'adversaire. Là, ça commence à être tendu pour eux un peu. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais mettre tomber de l'autre côté et faire éclater le mur dans sa gueule. Parce que le jeu propose vraiment plein de possibilités de neutralisation. Par exemple, là, vous voyez, il y a un mur. Je pourrais aller en dessous. Allez, c'est ce qu'on va faire. Par contre, j'ai un peu perdu les commandes. Voilà. Alors, par exemple, dans le jeu, on se déplace plus vite quand on est accroupi, donc c'est bon à savoir. Oh oh, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon à voir. Par contre, je sais pas qui était là-dedans, mais. Les hôpitaux doivent être propres, non? Ce coin pue. Ah bah c'était Killer Croc, vu ce qu'on vient de débloquer. Pourquoi il veut pas répondre là-haut? Quel taré a construit ce truc?
Pourtant, je croyais qu'on pouvait répandre à partir d'en bas. Ça aurait été marrant. Bon, je laisse tomber, je passe pour un con encore. Mais non, il y a personne, t'as rêvé. Bon, ils sont trois encore à être neutralisés. Alors, on va leur faire un peu peur. Je pense qu'ils sont limite déjà terrifiés. Ouais. Nerveux. Fusil à pompe. Mitraillette. Alors moi je trouve que c'est ça qui manque, c'est un peu une arme de neutralisation de groupe dans le jeu. Je crois que là ils sont déjà barrés, ça va être inutile ce que je fais. C'est pas ce que je voulais faire. On appelle le docteur Chauve-Souris. Il y a déjà un docteur Chauve-Souris dans la salle. Non, ça n'a pas été très utile. Donc bon, il y a des astuces pour terminer ces salles très très rapidement, mais moi je vais en profiter un maximum puisque bon, c'est un peu quelque chose d'assez attirant dans le principe du jeu, l'infiltration, donc essayer d'en profiter un maximum, même si là, purée, s'ils restent en groupe tous les trois, ça va être laborieux. Donc on va essayer de neutraliser one by one. Fais dodo. N'aie pas peur, on va s'en sortir. Alors là, je suis dans la merde s'il me voit. Voilà, pour pas prendre de risques. Oh purée. Pas prendre de risques, hein, purée. C'est vraiment. Oh la boulette. Il y a un docteur ici ? Non ? Pitié ! Il semblerait que j'ai un tas d'hommes de ma. Ah, j'ai une autre énigme dans cette salle. C'est une. Nouvelle perspective permet d'apporter la réponse à une question. Tu n'es pas d'accord. Alors, ça veut dire qu'il y a un point d'interrogation dans le. Dans le niveau. Alors, on va chercher le point d'interrogation à partir d'ici. Je m'en souviens plus. Si, c'est un rapport avec ce trou justement dans le sol, je crois. Voilà. Là, il y a le. Je sais pas si vous voyez. Regardez. Hop. Donc voilà, là il y a le point d'interrogation. Et là, il y a l'explosion. Non, et voilà. C'est ça d'avoir une bonne mémoire quand même. Hein. Oui, bah c'est bon, j'arrive, arrêtez de crier. Oh là là, c'est pas vrai ça. Toujours à crier. Hop hop hop, on va fouiller quand même. Batman, par ici. Ça leur dit encore une fois, moi je vais venir. Oh purée. Elle a pas dit par ici, tant mieux pour elle, hein, sinon j'aurais marave la tête dedans. Oh. Pas déconner là. Alors, vous allez voir quand même, c'est la classe parce que le gel n'explose que vers l'avant. Et voilà, ils détournent leur regard un peu. Genre je m'en moque. Donc on peut remarquer que les dentiers du Joker sont souvent par 3. Hein, c'est vrai. Donc je le dis. Alors ça c'est fait. Oh. Quoi, maintenant que tu m'appelles, je viens, tu t'en fous, c'est ça? J'ignore ce qui s'est passé. Nous faisions nos rondes de nuit et la minute suivante, des malfrats armés entraient dans la salle et nous prenaient en otage. Étaient-ils accompagnés par quelqu'un ? Ils ont emmené quelqu'un dans l'ascenseur. J'ignore de qui il s'agit. Ils ne voulaient manifestement pas être suivis. L'ascenseur semble avoir été éteint. Vous serez en sécurité ici. Tout ira bien. J'aime bien le « vous serez en sécurité ». On a entendu des coups de feu. Ils pourraient être morts. On devrait aller les aider. Oh, j'oubliais, le docteur Kellerman était dans la salle d'observation des patients et le docteur Chen est allé en chirurgie. Et le docteur Young est en radiologie. Ok, restez là. Je trouverai les autres médecins. Batman nous a sauvés. Je n'avais jamais vraiment cru à son existence. Vous allez bien ? Ah, bah ça c'était la phrase super utile, mais vraiment super utile. Allez, on va aller là. Je crois que c'est par là. Alors, salle des rayons X. Les patients restent calmes. Ils rejoignent tranquillement leur chambre. Permettez-moi de vous présenter le brillant travail du docteur Penelope Young. Donc on va terminer, on va avancer un petit peu et on terminera la première partie
de l'épisode 2. Donc en fait, autant dire, en fait, je vais plutôt faire des épisodes d'une demi-heure, au lieu de faire des épisodes d'une heure, ça va être plus rapide. Oh, mais il commence à me gonfler, c'est Lascar, là. Tiens, ça te la coupe, hein. Oh non, non, non. Purée. Oh, le coup dans le vide. Là, ils sont trop loin. Oh non, je voulais faire une élimination, et espèce de méchant. Et là, c'est fini. Oh, le coup de pied dans ta tête. Alors, qu'est-ce que c'est dans la salle des radios? Ah oui, cette fameuse salle. J'ai fait exactement ce que vous m'avez demandé. Eh oui. Vous croyez que j'en ai quelque chose à faire? Arrêtez de pleurer et écoutez. Si quelqu'un vous approche sans la permission express du Joker, j'ai pour ordre de m'assurer que vous serez emmené au plus vite ailleurs. On dirait que vous êtes notre monnaie d'échange. Je dois vous dire, le patron contrôle tout. Il a tout planifié comme une opération militaire. Des amis à l'intérieur. On va sauver cette femme, mais ça sera la fin de notre deuxième épisode. Opération, comme vous l'appelez. Alors. Nécessite des amis. Est-ce que je veux savoir c'est pourquoi vous m'avez choisi? Le Joker m'a-t-il spécifié? Pourquoi je peux pas lui parler? Je suis sûr qu'on peut régler ça. L'autre qui essaie de négocier avec ses tarés. Donc d'ici on va bien voir ce qui va se passer. Donc vous voyez là je sélectionne les deux parce que pour le moment je peux pas choisir lequel sélectionner. Et on fait péter les deux murs en même temps. Et ça leur défonce la tête. Et ils arrêtent de faire chier. Elle, elle a bien de la chance parce qu'elle était dans le coin, n'empêche, hein, pas touchée et tout. Donc on va la sauver, elle va nous parler. Elle va nous saouler. Et hop. Elle est là. Que se passe-t-il? Ils parlaient comme s'ils avaient le contrôle. C'est vrai que le Joker s'est échappé? Malheureusement, oui. Mais il ne restera pas libre longtemps. J'ai étudié le cas du Joker pendant des mois après son évasion. Le directeur était très clair. Le Joker devait être guéri. Une mauvaise publicité affectera sa campagne pour devenir maire. Ce sera le cadet, c'est... Oh bon sang. J'ai failli oublier. Ils ont dit qu'ils parcouraient l'établissement pour traquer les autres médecins. Pas d'inquiétude, docteur. Je vous ai sauvé d'abord et je vais maintenant fouiller les autres. Donc c'est sur cette magnifique scène d'héroïsme... d'a sauvé la veuve et l'orphelin, Batman... Du personnel que je vais vous laisser. A encore besoin de mon aide. Et par contre, quand si tu te parles à toi-même, ça craint. En fait, Batman, il ferait bien d'être interné dans cet asile, parce que bon, il se parle à lui-même et tout. Il est un peu taré, il se déguise en habit de cuir. Non, ça c'était une blague à part, vraiment nulle. Donc pour info, j'ai vu des nouvelles images de d'Arkham City, et Batman n'a vraiment pas changé. Sa seule différence, c'est, je crois, c'est la longueur de ses... comment on peut dire ça, des lames sur ses protège-poignets, enfin protège-avant-bas, je sais pas comment on peut appeler ça. Sa ceinture qui est nettement plus classe dans le 2, et ils ont aussi modifié la taille d'une partie intime de Batman, hein, si vous regardez bien, c'est plus imposant, bref, et je déconne pas en plus en disant ça. Donc je vais vous laisser là, et je vous dis à la prochaine pour la nouvelle partie.